Et vous l'avez reconnu, c'est Monsieur 14. Non, pas Marcel XIV, ça a jamais existé un roi de France qui s'appelle Marcel XIV. Louis XIV, roi de France. Oh, ben oui. Vous savez qu'il avait une santé, vous me direz, à l'époque, on était déjà malade. Bon, Louis XIV avait blénorragie, fistule anale, troubles digestifs et bucco-dentaires. Il avait le ténia, le paludisme, la goutte, des coliques néphrétiques, du diabète et il a fini avec la gangrène. C'est pour ça que quand je discute avec des gens, des fois, et qui me disent « Oh ben quand même, c'était mieux avant. » Ah ouais? Quand?